DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV et cela, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez. L'actualité, c'est encore une fois l'élimination de la République démocratique du Congo pour la CAN 2021 qui va se jouer en janvier 2022 du côté du Cameroun. La RDC qui était déjà éliminée lors du match de la 5e journée à Franceville, le jeudi 25 mars dernier, mais avant le match de la 6e journée qui s'est joué hier lundi 29 mars 2021, la veille en tout cas, lors de la conférence d'avant-match, le capitaine de l'équipe nationale, Marcel Tisserand, avait jeté en tout cas un pavé dans la mare lorsque il a soulevé la problématique du manque d'organisation pour l'équipe nationale, et ce qui n'a certainement pas plu au numéro 1 de la Fédération congolaise de football, l'association Constant Omari, qui a eu l'occasion en tout cas de réagir et c'était bien sûr hier après la rencontre qui a opposé la RDC à la Gambie, rencontre du reste gagnée par la RDC 1-0 mais qui n'a pas de conséquence en tout cas sur le classement dans ce groupe, qui a conséquence bien sûr par rapport à l'autre match aussi de l'Angola qui recevait le Gabon, mais qui n'a pas eu de conséquence sur les pays qualifiés pour cette CAN Cameroun 2021. Constant Omari n'a visiblement pas apprécié les propos de Marcel Tisserand, a donc à son tour pris comme bouc émissaire tous les joueurs, les internationaux des Léopards de la République démocratique du Congo, s'en prenant beaucoup plus aux professionnels qui viennent de l'étranger et beaucoup plus ceux qui viennent de l'Europe. Constant Omari n'a pas eu en tout cas sa langue dans sa poche pour critiquer ces joueurs-là. C'est un peu comme à son habitude. Nous voulons analyser les propos de Constant Omari. Nous allons bien sûr revenir également sur les propos de Marcel Tisserand qui non seulement avait soulevé le problème d'organisation, le manque d'organisation, mais également le problème de manque d'infrastructure. Et bien sûr, parler d'organisation, c'est tout de suite viser la fédération et le manque d'infrastructure, ça visait en tout cas le gouvernement congolais. Si Constant Omari partage le point de vue des joueurs, le point de vue de Marcel Tisserand en ce qui concerne la problématique de manque d'infrastructures adéquates pour nos athlètes, mais par contre pour le manque d'organisation, Constant Omari ne l'accepte pas parce que il est directement pointé du doigt. Il s'en est donc pris quasiment violemment aux joueurs de la République démocratique du Congo, surtout à Marcel Tisserand, le capitaine qui a pris ses responsabilités tout en s'exprimant lors de cette conférence d'avant un match. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons Constant Omari, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Kinshasa, France 8, 40 minutes. Nous sommes arrivés après tout ce tralala, Covid, ainsi de suite. Bon, tant bien que mal, nous sommes arrivés à l'hôtel, 1h du matin. Ok. Le match se joue le lendemain à 17h, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je n'ai pas essayé de jouer au haut niveau, mais je ne sais pas si tu as 16 heures, tu as pratiquement 14 heures de repos, tu vas me dire que c'est parce qu'à cause de 40 minutes de vol. Je ne sais pas. Deux, comme je vous ai dit, analyser les buts qu'on a encaissés, qui n'ont rien à voir avec l'organisation. Ils sont ici à Kinshasa, quand ils viennent, ils sont sous son business. Ils sont à l'hôtel 5 étoiles, l'hôtel du fleuve. Ils ont des primes. Les primes qu'on leur donne, je doute fort que 90% des joueurs de l'équipe nationale en Afrique touchent ces primes-là. Je doute fort. J'ai toujours dit à nos joueurs, commencez par faire une introspection. Quel était votre propre rôle? S'ils me démontrent qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts sur le terrain et que c'est visible, qui va leur jeter la pierre? Personne.
Même moi, le prince, je ne peux pas aller jeter la pierre. N'est-ce pas? Mais quand j'observe que l'équipe était nulle, c'est tout le compartiment. Et je vous dis que je refuse d'analyser le match retour. Prenez le match aller, superposez sur le match retour. Quelle est la progression qui a été faite? Ça pose problème. Donc moi, je ne voudrais pas répondre à ce genre de choses. Moi, en tant que président, j'observe. Je dis que chacun doit se remettre en cause. Les joueurs, le staff technique, la fédération, le gouvernement, tout le monde. Nous sommes de retour, hein, et vous venez d'écouter Constant Omari, président de la Fédération Congolaise de Football Association, qui était en tout cas très très dur, hein, à l'endroit des joueurs. Pourtant, le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand, a posé là un problème qui est certain sur en ce qui concerne leur pratique du football. Il parle d'un problème d'organisation, mais également d'un problème de manque d'infrastructure. Le footballeur évolue sur un terrain et au niveau des entraînements et même pendant les matchs officiels ou les matchs amicaux, et ce terrain se doit d'être de bonne qualité, parce que si ce terrain est en mauvais état, ça peut aussi affecter la santé des joueurs. Je crois que Marcel Tisserand n'a fait que rappeler ces deux problématiques connues en tout cas au niveau de l'équipe nationale, la problématique du manque d'organisation, mais également aussi la problématique du manque d'infrastructure. Mais visiblement, ça a été mal pris par Constant Omari, qui s'en prend même au fait que les joueurs voyagent par business class, des joueurs qui sont logés dans des hôtels 5 étoiles. Quel rapport? Est-ce que c'est la Fédération Congolaise de Football Association qui paye cet argent-là, ou bien finalement cet argent-là est pris en charge par le contribuable congolais au travers l'État congolais? Et que dire lorsque le président de la Fédération Congolaise de Football Association parle de voyages en business class? Que dire de la FEGAFOOT, la Fédération Gabonaise de Football, qui a affrété carrément un avion de la compagnie Ethiopia Airlines pour aller récupérer les joueurs? C'est parce que justement la FEGAFOOT savait ce qu'elle voulait. Elle voulait avoir tous ces joueurs avec lui, mettant en tout cas à la disposition de l'entraîneur du Gabon, Patrice Neveu, l'effectif dont il a toujours eu depuis le début de ses éliminatoires. Constant Omari oublie que Christian Tengibiembe était obligé de remanier en tout cas son effectif parce que plusieurs cadres ne pouvaient pas venir et la fédération n'a rien fait en tout cas pour pouvoir permettre à la RDC d'avoir tous ces joueurs. C'est quand même triste. Alors maintenant, j'aimerais quand même vous proposer de revenir sur ces propos de Marcel Tisserand pour vous rafraîchir la mémoire et comprendre cette réaction un peu démesurée de Constant Omari au lieu qu'il fasse cette introspection lui-même, pardon, pour essayer de savoir là où la fédération a failli. Non, au contraire, lui cherche à trouver des boucs émissaires dans les chefs des joueurs pour commencer à reprocher les joueurs, alors que Marcel Tisserand sur le terrain s'est retrouvé avec beaucoup de joueurs avec qui il n'avait jamais joué avant. Ce n'est pas normal. Vous avez ainsi modifié, obligé le sélectionneur principal à utiliser des joueurs dont il n'avait pas prévu en tout cas de les intégrer à l'effectif de l'équipe nationale, et tout cela parce qu'il y a eu cette contrainte qui a été imposée à tous les pays, pas seulement qu'à la RDC, mais les autres pays ont pris le devant, ont réagi à temps et ont pu récupérer en tout cas leurs meilleurs joueurs. Donc suivons maintenant Marcel Tisserand, mais avant, rappelez-vous que vous suivez DMTV, n'hésitez pas en tout cas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et surtout activer la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant Marcel Tisserand, nous nous retrouvons tout de suite après. Aujourd'hui, le plus gros, on va dire, le plus gros souci qu'on a, c'est vraiment au niveau de l'organisation, au niveau des infrastructures. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de terrain très convenable ici au Congo pour pouvoir s'entraîner, jouer aussi. Je pense que le stade de Martyrs nous handicape plus qu'autre chose pour développer notre jeu. Quand on voit la qualité des joueurs qu'on a dans notre effectif, on se doit de pratiquer un jeu plus attrayant pour le peuple congolais, pour nous, pour prendre du plaisir. Aujourd'hui, quand on joue un match à domicile, on a l'impression qu'on est à l'extérieur, qu'on joue à l'extérieur alors qu'on devrait se sentir très à l'aise. Donc on a besoin d'infrastructures, on a besoin d'une meilleure organisation aussi.
le match au Gabon, par exemple, on arrive à 1h du matin au Gabon. C'est inadmissible. C'est inadmissible. On ne peut pas préparer un match de haut niveau en arrivant le jour même dans le pays qui nous accueille. Donc plein de petites choses comme ça que j'espère qu'ils vont être améliorées pour préparer cette qualification à la Coupe du Monde, parce que j'y crois beaucoup. On a un effectif très très intéressant, on a beaucoup de potentiel, que ce soit les joueurs qui ont été retenus là et ceux qui n'ont pas été retenus. On a un vivier de joueurs exceptionnels, mais nous n'avons pas cette infrastructure, cette organisation qui va nous permettre de passer ce palier-là. Parce que le Congo doit faire à chaque édition la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Pour moi, c'est obligatoire avec le potentiel qu'il y a dans cette équipe. Donc j'espère que tout le monde m'écoute, que tous ceux qui dirigent aussi ce pays m'écoutent. Nous avons besoin de tout le monde. Il y a du talent, que ce soit dans les instances, il y a du talent aussi à la presse, il y a du talent au football, il y a du talent. Mais aujourd'hui, réunions-nous tous ensemble et puis allons tous ensemble sur la même route. Parce qu'on aura besoin de tout le monde pour aller vers nos objectifs, qui est la prochaine Coupe du Monde. Donc s'il vous plaît, faites tous l'effort de nous suivre. Parce qu'on aura besoin de tout le monde, je le répète encore une fois. Merci. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Marcel Tisserand, le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo. Que pouvons-nous reprocher à Marcel Tisserand s'il a pris ses courage entre les mains pour dénoncer en tout cas les problèmes qui rongent l'équipe nationale, notamment le problème d'organisation? Comment expliquer? Bien sûr, là, ça implique aussi le gouvernement qui a failli dans l'organisation, mais également la Fédération Congolaise de Football Association. Les joueurs qui voient voyage la veille du match contre le Gabon en fin d'après-midi, le vol rate un tout petit peu, il y a des problèmes de primes qui sont résolus tardivement, les primes sortent à 19h et finalement le vol est organisé autour de minuit, 40 minutes de vol entre Kinshasa et Franceville, les joueurs arrivent à 1h du matin et le président de la Fédération Congolaise de Football Association trouve ça normal, estime que les joueurs ont quand même le temps un peu de récupérer, il trouve ça normal que les joueurs arrivent dans ce laps de temps là pour jouer un match aussi capital, un match aussi important, un match où nous ne devrions pas du tout perdre, sans parler des contraintes dues en tout cas à ces tests à Covid-19. Donc je pense qu'il y a un problème sérieux au niveau de la République démocratique du Congo. Marcel Tisserand pose une problématique que tout le monde peut reconnaître par rapport au manque d'organisation, mais également aussi au manque d'infrastructure. L'outil principal des footballeurs, ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas un voyage en business class ou même en jet privé tel que l'a fait Pierre-Emerick Aubameyang pour joindre le Gabon. L'outil d'un joueur de football, c'est avant tout le terrain d'entraînement, mais aussi le terrain des matchs. Alors la FIFA par exemple a eu à donner un don de plus ou moins $1 million à la Fédération Congolaise de Football Association pour le centre coureur à Mpova. Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà des questions dont nous avons besoin d'avoir des réponses de la part de la du président de la Fédération Congolaise de Football Association, au lieu de s'en prendre aux joueurs et de les prendre en tout cas comme des boucs émissaires. Vous avez eu cette fédération qui a mis à mal en tout cas un ancien entraîneur des Léopards U20 de la République démocratique du Congo, un ancien international aussi, Lofombo, parce qu'il réclamait justement les primes après la CAN U20 en 2013. Comment on peut continuer à traiter les gens de cette façon et encore une fois venir pour trouver des boucs émissaires dans les chefs de joueurs? Je vous propose une image d'archives. C'était lors de la CAN 2019 où le président de la fédération s'adressait une fois de plus aux Léopards de la République démocratique du Congo. Suivez comment Constant Omar il leur parlait et ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez toujours votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification. Nous nous retrouvons tout de suite après. Capitaine, s'il vous plaît, levez-vous. Répondez-moi à haute voix. Il y a un conflit entre vous en interne. Vous êtes en conflit avec le staff technique. Vous êtes en conflit avec la fédération. Irresponsabilité. Irresponsabilité de qui? On n'a pas fait tout ce qu'on devait faire, n'est-ce pas? Manque
de professionnalisme. Vous n'avez pas voyagé, vous n'avez pas passé ce temps dans les conditions les plus idoines. Quel professionnalisme? C'est vous les jeunes, n'avez pas fait de professionnalisme. La FECOFA n'a pas été professionnelle à votre intervention. Vous avez vu quelqu'un la FECOFA aller là-bas pour commencer à réserver les chambres pour payer pour une autre? Non. Vous avez vu ça? Poursuite de l'intérêt personnel des cadres influents de la FECOFA. Vos primes, tout ce qui était sorti. On a relu vos primes. Hein? Tu as mené combien d'argent? Non, je parle de montant. Si tu parles de ça, les gens vont commencer à les tuer, ils ont touché. Le montant global que tu as resté combien? 10 millions. 20 millions. 2 millions plus, 2 millions 600 millions. Je vous avais dit ça, non? Je vous avais dit que vous... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de voir cette image d'archive. Vous avez vu vous-même comment le président de la Fédération Congolaise de Football Association était en train d'intimider les joueurs congolais lors de la CAN 2019. Alors, nous nous posons la question, est-ce que loger les joueurs dans un hôtel 5 étoiles ou même leur offrir un billet en business class lors de leur voyage vers le pays ou même au retour dans leur championnat respectif. C'est ça, être professionnel. Le professionnalisme, c'est de mettre des conditions qui puissent permettre, des conditions bien sûr, qui puissent permettre en tout cas à ces joueurs d'évoluer comme il se doit et d'atteindre aussi les objectifs voulus. Les joueurs qui voyagent le même jour pour un match aussi capital, même si vous les logez dans un hôtel 5 étoiles, vous perturbez ces joueurs-là qui ne se retrouvent pas dans un environnement en toute sérénité pour aborder un match, surtout dans le contexte actuel, le contexte de la pandémie à Covid-19, où vous savez qu'en arrivant au Gabon, il y aura encore des formalités à remplir et déjà qui peut amener des joueurs à aller peut-être se coucher vers 3h voire 4h du matin. Ce n'est pas ça être professionnel. Et de toute façon, c'est le contribuable congolais qui sort, qui met les moyens à la disposition de l'équipe au travers l'État congolais. Ce n'est pas la Fédération Congolaise de Football Association. Donc voilà la manière de réfléchir du président de la Fédération Congolaise de Football Association, lui qui a fait 18 ans la tête du pays, mais qui trouve toujours des raisons pour expliquer les échecs des boucs émissaires. Si ce n'est pas un entraîneur, c'est certainement les joueurs qui n'auront pas en tout cas montré suffisamment de patriotisme sur le terrain. Il a reproché dans ses propos les joueurs en disant, en donnant même l'exemple du match aller entre la Gambie et la RDC, disant que, ou même le Gabon et la RDC, est-ce qu'il y a eu progression dans l'entretat et dans l'organisation? Est-ce qu'il y a eu progression, monsieur le président, dans l'organisation de ces matchs-là? Est-ce qu'il y a eu progression aussi du pays? Je ne pense pas. Et lors du match aller de la RDC et de la Gambie, les Gabonais qui étaient là au cours de ces matchs-là, ce sont quasiment les mêmes qui sont revenus. Et pourquoi la RDC n'a pas pu avoir le même effectif qui avait joué contre les Gabonais ici? Pourquoi? C'est votre responsabilité justement, parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire comme l'ont fait d'autres fédérations sœurs, telles que celle du Sénégal et même celle du Gabon, qui ont suivi leurs joueurs, qui n'ont pas hésité en tout cas à mettre la main dans la poche pour affréter un avion, histoire de rassurer les équipes, les clubs de leurs internationaux que les joueurs ne passeront pas en tout cas par une compagnie où ils seraient avec d'autres passagers. Donc les Gabonais ont affrété un avion de la compagnie Congo Airways. Mais pourquoi la Fédération Congolaise de Football est restée silencieuse quant à cela? Notamment, il y a eu cette lettre du sélectionneur Christian Tenguibé, mais lettre datée du 20 mars 2021, où il a sollicité une intervention du président de la fédération après la décision du gouvernement français de libérer les internationaux congolais. Comment expliquer que deux coéquipiers de Glody Ngonda à Dijon sont venus renforcer le Gabon et Glody Ngonda est resté? Je pense que la problématique du manque d'organisation soulevée par Marcel Tisserand est tout à fait vraie et que nous devrions réfléchir sur des changements à apporter en tout cas dans l'organisation si nous voulons espérer effectivement nous qualifier pour la Coupe du Monde 2020.
2022, dont les éliminatoires commencent dans 2 mois. La RDC doit savoir ce qu'elle veut, doit se fixer des objectifs et de mettre les moyens pour les atteindre. En tout cas, au stade actuel, rien ne marche, rien ne va. La fédération ne rassure pas, ceux qui dirigent cette fédération ne rassurent pas, et donc nous devons passer certainement à autre chose. Le président de la fédération a annoncé qu'il ne se présentera pas, mais est-ce que le temps qu'il est là va permettre à la RDC de se relever pour aborder ces éliminatoires de la Coupe du Monde avec d'autres ambitions? Donc c'est toute cette question qu'on peut nous poser. Mais en tous les cas, Marcel Tisserand a soulevé un problème sérieux en rapport avec le manque d'organisation l'illustration en tout cas, c'est le départ des joueurs de Kinshasa vers Franceville, où on était obligé d'attendre les primes qui sont sorties à 19h. Ce n'est pas sérieux tout ça. Et aussi la problématique des infrastructures, le terrain du Stade des Martyrs ne rassure plus, ça devient très dangereux pour les joueurs et surtout ceux qui évolue en dehors de Kinshasa, et il est temps en tout cas que le gouvernement prenne ce problème à bras le corps et le résoudre aussi rapidement que possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. À vous de vous faire aussi votre propre opinion sur ce différent en tout cas entre Marcel Tisserand, on va dire derrière lui tous les joueurs de l'équipe nationale, et le président de la fédération, Constant Omari. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.